Cher futur moi. Alors, Cléo, on est en 2020. J'ai 15 ans et nous sommes en confinement. Alors, je me demande si tu as continué la boxe, si tu es devenue championne de France de ta catégorie junior. Parce que, bon, cette année, les tournois ont été annulés à cause de l'épidémie. Super! Ah oui! Est-ce que ton papa t'a emmené faire ton saut en parachute depuis, ça fait 2-3 ans là, qu'il te l'a offert pour Noël, tu ne l'as jamais fait? Je vais même pas te dire est-ce que, je vais te dire, tu as réussi et là, normalement, tu es en train de travailler pour toi, pour une compagnie, en tant que pilote privé, enfin, peu importe, tu travailles, tu as réussi ton rêve de devenir pilote et peu importe ce que les gens t'ont dit autour, ah, mais faut beaucoup travailler, ah, mais c'est pas un métier pour une femme, pense à ta vie de famille, patati, patata. J'espère que tu t'es toujours foutu de ce qu'on t'a dit et que jusqu'à maintenant, tu penses toujours que c'est ton métier de rêve, parce que si je me souviens bien, on l'avait choisi parce que on aimait, on adore voyager. Et on voulait aussi clouer le bec à ces vieux gens-là qui croient pas en toi. Je voulais savoir si, quand même, tu as gardé... Tu n'as pas trop travaillé. Genre, tu as travaillé juste comme il faut. Et que tu as gardé cette envie de faire la fête en un boom qui passe jamais fini. Manque à espérer, tu as continué à sortir. Que tu sors encore. Que maintenant, tes soirées, c'est pas juste être là avec tes potes ennuyants qui parlent de la politique, des trucs comme ça là. J'espère que quoi, tu sors, tu vas back it up dans les soirées, tout ça, tout ça. Enfin bon, comme une antillaise ma fille. J'espère que tu n'as, je reviens dessus, pas de mari, pas d'enfant, surtout pas d'enfant parce que les enfants ça gâche la vie. Et que tu auras toujours pas envie d'avoir des enfants et que... J'espère que tu te souviens d'où tu viens, de ta petite île dans la Caraïbe, la Martinique. Parce que non, je ne veux pas vivre en Martinique. Mais que tu y retournes pour voir ta famille de temps en temps à Noël. Pour moi, j'ai un bon Noël. Pour moi, j'ai un repas antillais de Noël. Ah! Bon, bref. J'espère que la société en 2030 a évolué. J'espère tout de même que les combats féministes ont été pratiquement réussis, les combats racistes et tout, que tout a évolué, que une femme noire sera considérée égale qu'un homme blanc. J'espère que tu as toujours ta grande gueule, que tu n'as pas peur de ce qui t'arrive, que tu es capable d'aller écraser la gueule de quelqu'un juste parce que tu penses que c'est juste. J'espère quand même que tu as gardé un minimum de self-control et que juste quand tu t'énerves, tu pars loin avant de... J'espère que tu pleures pas. T'as pas le droit de pleurer. N'oublie jamais ça, tu pleures que d'énervement, parce que t'es une battante, t'es une gangster, t'es solide ma fille. Ça me fait penser, j'espère que tu te souviens de cette citation, genre, ça me passe comme ça par l'esprit. Une femme noire ne peut pas s'accorder le luxe d'être naïve. Donc, ne te l'accorde jamais et continue à vivre, à sourire. Continue à être toi, continue à être Cléo, quoi qu'il arrive. Regarde-moi, te souviens-tu? Toutes ces joies, toutes ces peines qu'on a vécues. Cher futur moi, que suis-je devenu? Est-on parti? Ai-je changé? J'étais perdu, m'as-tu trouvé? Cher futur moi, jumeau lointain, de moi à toi, à quoi ressemble le chemin?